Bonjour à tous. Allez, une petite vidéo assez courte aujourd'hui pour vous faire voir comment courber du bois. Voilà. Alors, j'ai coupé des petites lamelles de bois très fines. Elles font à peine 2 mm. Voilà, sur une longueur, la longueur que vous voulez. Vous découpez un morceau de bois comme ça. Voilà, pour caler à l'intérieur. Mais avant, sinon ça casserait, il faut les faire tremper. Alors celles-ci, elles ont trempé peut-être, elles commencent à être sèches là. Elles ont trempé peut-être une heure ou deux dans l'eau chaude, c'est encore mieux. Hein. Et une fois qu'elles ont pris cette forme là, hein, qu'elles sont arrondies, qu'elles ne casseront plus, disons. Alors là, vous pouvez les coller et les remettre dans le moule. Voilà, comme ceci. Voilà, vous les remettez dans le moule. Elles vont épouser la forme, là, du moule. Et encore que là, il faut dire que j'ai fait une erreur. L'arc de cercle n'est pas assez grand. Ce qui fait que ça force un peu trop à l'intérieur. Ne faites pas la même bêtise. Faites un arc de cercle... plus allongé, voilà, ça serait plus joli. Et en plus, vous pouvez en faire un dans un sens, l'autre dans l'autre, et ainsi de suite, hein, suivant la grandeur de vos baguettes, bien entendu. Hein. Voilà, bon, alors donc, il ne me reste plus qu'à les coller, hein, on peut en faire une poignée, enfin, ce qu'on veut, finalement. Les coller entre elles, maintenant qu'elles ont bien la forme, bien collé, vous remettez votre serre joint et voilà ce que ça va vous donner. Voilà. Mais là, faites comme je vous dis, ne faites pas la même bêtise que moi. Le diamètre de ce que j'ai taillé là, le diamètre de cette espèce de moitié cercle, non, est trop petit. Hein. Trop petit, ce qui fait que ça force peut-être un petit peu trop, voilà. Mais enfin, c'est une des manières comment courber du bois. Voilà, j'ai plus qu'à les coller. Et là, j'ai 7 lamelles. Voilà, j'ai plus qu'à coller. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Allez, au revoir.